Marseille. Vous connaissez Marseille? La ville la plus imposante parce que la plus imposée. Le pays de l'aioli et de la bouillabaisse. La canebière où on parle avec les mains en exagérant un peu. La pêche. Le pastis. Les parties de boules. Pour tout dire, le travail, quoi. Je galère. Mais pas du tout. Parce que chez nous, le travail, c'est un plaisir. Et le plaisir, c'est tout un travail. Dans notre midi, on est comme on dit, plutôt nonchalant, quoi qu'on soit houillant. C'est qu'on a trouvé le moyen rêvé de se prodiguer sans se fatiguer. Ce qu'on jette tard se lever tôt, porter des sacs de 100 kilos, creuser des trous pour les remplir. Ah, quel plaisir! Et faire des petits ronds dans l'eau, ou rêvasser sur un bateau, sans s'occuper du gouvernail. Ah, quel travail! Aller travailler au charbon, manœuvrer un marteau-pilon, scier, dresser, peindre ou bâtir. Ah, quel plaisir! Mais devant un pastis bien frais, détaillé d'un œil indiscret, les femmes qui ont un beau poitrail, oh, quel travail! Marcher de Marseille à Paris, passer les rails à l'Emerie, travailler de nuit sans dormir. Ah, quel plaisir! Mais le dimanche au cabanon, compter les mouches du plafond, ou les arder près du portail. Ah, quel travail! Se prendre pour Casanova, tomber les femmes à tour de bras, contenter leur moindre désir. Oh, quel plaisir! Mais si en pleine obscurité, vous enlacez votre moitié, non pas en gros, mais en détail. Oh, quel travail! Vous pensez que j'exagère parce que je suis du midi. Même si c'est pas vrai peu cher, nous on croit tout ce qu'on dit.